Si tu veux avoir 1000 abonnés sur YouTube en 2024 et dans les années à venir, je vais te donner une méthode toute simple que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Ça s'appelle la méthode VOR, les vidéos optimisées pour la recherche. Le problème avec beaucoup de personnes qui débutent sur YouTube, et c'est peut-être ton cas, c'est que tu suis des créateurs de contenu qui ont 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 1 million, 10 millions d'abonnés. Et tu te dis que tu vas faire la même chose que ces personnes qui sont beaucoup plus en avance que toi. Les vidéos optimisées pour la recherche, c'est très simple. Étape numéro 1, il faut que tu recherches tes vidéos avant de les tourner. Je prends mon cas par exemple, je peux passer 6 mois sans publier de vidéos, j'ai toujours des vues, toujours des abonnés, tous les jours. Parce que toutes les vidéos que j'ai produites, il y en a plus de 180 sur ma chaîne, chacune d'elles rapporte 2, 3, 4, 5, 10, 20 vues par jour et des abonnés également tous les jours. Parce que ce sont des vidéos que les gens recherchent, ce sont des thématiques que les gens recherchent et forcément je suis sûr d'avoir toujours des vues et des abonnés. Deuxième étape, tu peux également utiliser des outils qui ont de l'intelligence artificielle qui vont te permettre de pouvoir trouver des idées de vidéos. Il y a des outils comme vidIQ que j'utilise, des outils comme TubeBuddy et ChatGPT bien évidemment qui va te permettre de pouvoir trouver des idées de vidéos. Tu vas aller sur ChatGPT par exemple, tu vas lui dire je suis dans telle thématique, je suis créateur de contenu, donne-moi 10 questions que les gens se posent régulièrement et sur lesquelles je pourrais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. ChatGPT va te donner 10 questions, tu lui demandes 20 questions, il va te donner 20 questions, tu lui demandes 100, il va te donner 100 questions. Et dans ces idées de vidéos, tu vas aller faire la recherche sur Google, sur YouTube pour voir est-ce qu'il y a déjà du contenu sur ces questions en particulier. Parce que si personne n'a répondu à ces questions, soit c'est une opportunité pour toi, soit ça veut dire que les gens ne se posent pas ces questions. Mais si les gens se posent déjà ce genre de questions, ça veut dire que toi aussi tu peux apporter ta pierre à l'édifice parce que la concurrence n'est pas un problème, la concurrence est un signe que quelque chose fonctionne. Étape numéro 3, commence par des vidéos qui sont simples à faire. Une chose que tu dois retenir sur YouTube, surtout si tu débutes, que tu n'as pas une équipe derrière toi, que tu n'as pas des monteurs vidéo, que tu n'as pas des graphistes, etc. La valeur de ton contenu est plus importante que la valeur de la production de ton contenu. La production, c'est quoi? Je dois filmer avec une caméra 4K, je dois avoir un microphone comme William, je dois avoir un ordinateur, je dois avoir des lumières, etc. Idée toute simple, si tu n'as pas tout ce matériel qu'il faut, tu prends un téléphone. Là, en ce moment, je filme, c'est direct mon iPhone. Tu te mets face à la lumière du jour, comme ça, tu as une belle lumière, naturelle qui te touche, tu peux mettre des livres qui vont servir de trépied et c'est largement suffisant pour commencer à faire des vidéos sur ta chaîne YouTube. Tu n'es pas obligé d'être expert en montage vidéo. Il y a des gens qui ont des chaînes YouTube qui ne font pas de montage vidéo, qui font juste des coupes très simples tout au long de la vidéo et ça leur a permis de grandir jusqu'à 20, 30 000, 50 000, 100 000 abonnés. Tu veux maximiser tes chances d'avoir plus de vues et plus d'abonnés sur YouTube cette année? J'ai une formation totalement gratuite pour toi dans le premier lien de cette description. C'est une formation avec 8 modules qui vont te permettre de créer des vidéos qui sont optimisées pour la recherche et qui vont te permettre d'avoir plus de vues, plus d'abonnés tous les jours sans que tu n'aies besoin d'être dans un burn-out, de créer de nouvelles vidéos, etc. Donc si ça t'intéresse et que tu veux maximiser cette année 2024 sur YouTube et les années à venir, télécharge la formation gratuite qui est dans la description et on continue cette vidéo. Ensuite, élément important, il faut que tu travailles tes titres afin de donner envie de cliquer. Et aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT ou vidIQ, tu n'as pas d'excuse pour ne pas avoir des titres qui donnent envie de cliquer. Tu peux modifier tes titres à l'infini sur YouTube. Donc, tu vas sur ChatGPT, par exemple. Moi, j'ai ChatGPT 4, je paye l'abonnement. Je lui dis, voici le titre de ma vidéo YouTube. Donne-moi 5 versions de ce titre qui donnent envie de cliquer. Et parmi ces 5 versions, je vais choisir un titre et je vais le modifier au fur et à mesure jusqu'à ce que mon taux de clic sur ma vidéo augmente. Ensuite, à côté des titres, bien évidemment, prochaine étape, il faut que tu maximises les miniatures. Aujourd'hui, avec des outils comme Canva, tu peux aller sur Canva, tu as un compte gratuit, tu as un compte payant qui coûte 12 euros par mois et qui te sert de tout ce qui est design, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est miniature YouTube. Tu peux créer des miniatures YouTube très simplement. Le plus important, il faut que tu te dises que ta miniature et ton titre vont ensemble. Ce sont les deux éléments que tes spectateurs vont voir et qui vont leur permettre de décider est-ce que je clique sur cette vidéo ou pas. Donc, tu peux avoir le meilleur contenu au monde possible. Si ton titre et ta miniature ne donnent pas envie de cliquer, les gens ne vont pas regarder tes vidéos. Une fois que tu as les 1000 abonnés, une fois que tu as cette stratégie-là, cette régularité, il faut maintenant que tu monétises ta chaîne YouTube. Et voici des techniques et des stratégies ici pour te permettre de monétiser ta chaîne YouTube avec ou sans avoir 1000 abonnés.